Hey, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Doorways, the underworld, je suppose, le sous-monde, dans les ténèbres, enfin le monde en dessous l'autre. On avait ouvert une porte, je suppose que c'est celle qui est là-bas. Il y a une bête. Punaise. Oh, punaise, c'est fermé. Oh, ça, c'est pas cool. Puis je marche, en plus. On va se mettre là. Parce que je crois que cet endroit a été fait spécifiquement pour ça, en fait. Il fait demi-tour. Je le vois. Ah, je crois. Moi, je le vois plus. Hide, genre, cache-toi. Stay away from him. Leur voilà, bon sang, mais comment que... Oh, punaise. Cache-toi, sans deck. Écarte-toi de lui. You cannot, tu ne peux pas le confronter. Bah oui, j'aimerais bien, mais... Là. Oh mince, mais il vient par ici ou pas? Hide, ah ouais, j'ai bien l'impression qu'il est là. Et j'ai l'impression que je peux pas me renfoncer plus que ça. Ces gens, il doit être juste là, non? YOLO. Je dirais que c'est un succès. Un franc succès. Puis est-ce court? Ouais, je cours. Excellente idée. Pas de problème. Je comprends parfaitement cette instruction de course. Hide. Punaise, mais c'est quoi ce niveau de fou, quoi? Oh mon dieu, voilà ses petites pattes. Non, je ne suis pas là, oh punaise. Mon dieu, il y a combien de pieds? Oh mon dieu, mais il est monté comme une araignée, en fait. Ah, mais ils sont enfermés, c'est cool. Je dois aller là? Je sais pas. Oh punaise, donc quoi? Never look back, je pense. Ne te retourne jamais sans deck. Jump! C'est quoi sauter, quoi? Genre, on n'a jamais sauté, j'ai appuyé sur l'espace. Oh punaise, faut que je recommence tout. Wheeler, that was the last thing that hunk of flesh. Oh punaise, et le jeu il plante parce que... Oh punaise, le jeu qui force la résolution, mais pourquoi? Pourquoi un développeur veut forcer la résolution du jeu en plein milieu du jeu, quoi? Oh bah oui, le jeu a planté, comme c'est bizarre. Oh punaise, je sais même pas si ça a sauvegardé. J'avais l'impression qu'on avait un genre de... d'écran de chargement spécial. Je crois qu'en fait, j'étais obligé de mourir. Donc ça, c'est l'écran de chargement. Apparemment, c'était prévu que je tombe, donc. Donc on se réveille, on est tombé. En fait, c'était prévu. Je croyais que le jeu m'avait dit de jump, mais il m'a semblé que j'ai appuyé sur l'espace quand même. Ouch, ça fait mal! Génial! On est encore plus enfoncé dans le... l'horreur. Il a dit quoi? Ah! What is this place? C'est quoi cet endroit? Je trouve que la voix du personnage est absolument pas crédible. Qui a une voix pareille, franchement? Bon, heureusement que le jeu a sauvegardé avant de changer de niveau, quoi, parce que... De toute façon, j'ai l'impression d'être tout petit, et je vois que dalle, quoi, c'est incroyable.
Je sais même pas s'il y a un chemin ici ou pas. C'est vrai que ce soit aussi sombre. Attendez. Je vais voir si par hasard... Brightness. Voilà, j'ai un peu... Oh punaise, le jeu qui plante quoi. Non mais... Il y a plein de jeux Unity qui plantent pas, mais je sais pas pourquoi. Déjà les premiers Doorsway, le mec c'est un fou le gars quoi. Toutes les deux secondes, il essaie de redimensionner la fenêtre du jeu pour remettre la même dimension. Ce qui fait qu'en fait, ben, ça fait planter le logiciel de capture. Qui comprend plus où est le jeu, parce que c'est un nouveau jeu en fait. Puis c'est genre le niveau se charge en 2 secondes, mais vu qu'il y a une ligne de dialogue qui dure 10 minutes, je suis obligé d'attendre que la ligne de dialogue se passe pour charger le niveau. Oui, je sais, tu vas avoir peur. Oh mon dieu! Un squelette! Ok, bon, le jeu est censé être plus éclairé un petit peu. En fait, on voit quand même rien du tout, c'est pas grave. Avançons. Bonjour. J'aimerais bien qu'il n'y ait pas de monstre, si possible. Des squelettes suspendus par les pieds. Et un squelette plus particulièrement qui tient... Une lampe torche frontale. Une lampe torche frontale. J'aime pas ça. Ah bon, on va passer là où c'était tout pas éclairé. Bon, au moins elle est claire, ça c'est l'avantage. On peut pas dire qu'elle n'éclaire pas quoi. Allons par là-bas dans les ténèbres. Genre où est là. Je sens pas du tout ce niveau. Hein. Genre on croit être un peu des déchets radioactifs, vous savez, c'est un peu vert, il y a des barils et tout. Oh mon dieu, une structure. Des choses à... Des valves à tourner. Ou pas. Ah, une note, j'avais même pas vu. Oh, j'ai atteint une pièce sans aucune sortie. Oh merde, j'ai cliqué sans faire exprès, bon bah c'est pas grave. Tant pis. Je sais pas pourquoi des fois mon doigt, il clique sans faire exprès. Genre, surtout le clic droit, du coup. Je sais pas pourquoi, des fois, je regarde des vidéos YouTube et clic droit, sans que je le veuille, je sais pas pourquoi. Ça m'arrive un peu trop souvent, je trouve. Ça me l'a jamais fait avec le clic gauche, mais toujours avec le clic droit. Est-ce que je suis atteint d'une quelconque forme de maladie? Je ne sais pas, mais... Ah, petite sauvegarde. Attendez, j'ai envie de sortir de l'eau, on va aller tout droit. On va peut-être pas aller par là, en fait. À mon avis, on va devoir trouver des valves pour remplir ce truc d'eau. Ça va être palpitant. Oh là, le nombre de couloirs qu'il y a, quoi. Il y a eu un bruit, là. Oh, genre, il n'y a pas de valve. Oh, punaise. Je suis parti du mauvais côté. Monsieur, j'avais une chance sur deux, quoi. Il va probablement y avoir un joli petit monstre de l'autre côté, vous allez voir. Ça va être marrant. La la la. Ah tiens, une valve. Au moins je suis en sécurité ici. Attendez. Je suis presque curieux de voir. Non, ok, y a rien du tout ici. On va donc prendre cette chose. Une valve. Oh là, je m'attendais presque à un screamer derrière moi, ça aurait été fabuleux. Attendez, je suis à l'affût d'un quelconque bruit suspect. Il n'y en a pas. C'est bizarre parce que d'habitude, vous voyez, on a une touche pour courir dans les jeux. Et là, en fait, on a une touche pour marcher. Je vois pas qui marcherait dans un jeu pareil, mais bon. Objet. Une grosse valve dans la poche arrière de mon pantalon. Voilà. Il y a eu un bruit, non? Sauvegarde. Magnifique. Genre, on a fait tout ça sans aucune embûche. Embûche? Genre, on sait nager, quoi. Effectivement, on sait nager. Oulala, on peut aller sous l'eau et tout, quoi. Mais c'est que c'est inédit.
Cela justifie au moins les... le prix que coûte le jeu, quoi. On peut nager. D'habitude, les devs ont tellement la flemme de coder la nage que... Il y a un bruit. Ouah, je dois vraiment passer sous l'eau et tout. Est-ce que les monstres savent nager? Attendez, j'ai envie de voir ce qu'il y avait dans l'autre pièce. À mon avis, j'étais censé la visiter en premier. Parce que j'ai peur de rater un objet, du coup. Genre là, ouais. Genre, c'est une note. Non, j'ai trouvé une salle étrange. Il y avait une porte. C'était bizarre dans, pour une cellule. Il y avait plein de nourriture pourrie sur, sur une table en bois. Il y avait un liquide, genre de la salive animale. C'était intolérable. Bon, ok. Je pense que ça parle en fait de la bête. De la chose. Qui nous poursuit. Alors du coup c'est chiant, j'appuie sur Shift en pensant que je vais courir, mais non, en fait je marche. Faut pas que je fasse cette erreur, poursuivi par un monstre. Ça ne pardonnera pas. On va nager. Ouais. Regardez-moi la propreté de cette eau. J'ai tellement envie de me mettre dedans, quoi. Oh, il n'y a même pas un petit son, genre. Enfin voilà, je l'ai mal fait, mais bon. Ça se comprend. Poc, poc, poc. Une porte, ce niveau ne servait à rien. Attendez, du coup, est-ce que je dois... Attendez, j'ai coupé l'enregistrement au cas où, hein. Pas de panique, je suis toujours là. Non, c'est bon, c'est un vrai niveau. Oh, pitié, une carte. Oh, et puis regardez, ça tourne, ces gens, il va y avoir le monstre et tout. Qu'on va devoir semer. Alors ça, c'est pas cool. Oh, pitié, c'est fermé en plus. Je comprends pas bien le schéma, en fait. On fait bien du bruit dans l'eau et tout, genre, discrétion. Ah, je dirais que là, il y a deux valves. Genre, en fait, je comprends pas, vous voyez. Attendez, on va déjà aller par là. Pour voir si les valves en question existent. Ah, bah, à mon avis, il faut que je les trouve. 1 et 2. Oula, le jeu a ramé. Ok. Mais où sont-elles? Je ne sais pas. Ah bah ça doit être les petits tuyaux rouges là. Comme l'autre coup. Les deux valves permettront probablement de libérer cette pièce qui me permettra d'avoir une clé bleue je suppose. Ou ainsi, voilà. On va aller par là. Je sais pas si ça sert à quelque chose que j'essaye d'être silencieux, j'en ai aucune idée. Vite, allons là-dedans. Genre, il n'y a pas de valve, quoi! Au secours. Genre, même silencieusement, je fais du bruit dans l'eau. Si je me souviens bien, l'autre valve est par là. Bah non, on l'a une, tiens. Ray! Il y a même une note, dis donc. Vous voyez, il y a un autre petit tuyau. À mon avis, les tuyaux, ça sert à se cacher. Expérimentation. Blablabla. Le sujet, c'est fascinant. Il y a eu un bruit, j'ai chié dans mon froc. J'ai cru que je me balançais un monstre pendant que je... Il y a rien, quoi. Je comprends pas. Où est la deuxième valve? Où est le deuxième Gabe Newell? Je ne sais pas. C'est un mystère. Tiens, mais j'ai l'impression que... Attendez. J'ai le sentiment que je cours plus vite de côté. Mais j'ai vraiment le sentiment que je cours plus vite. Hein. Parce que d'habitude, c'est juste une impression. Mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est le cas. Regardez. Oh, punaise, le monstre! Oui, bah, ne regarde pas, hein. Tiens, cachons-nous dans le trou. Genre, il n'est déjà plus là, quoi.
Je vous dis, je suis quasiment sûr qu'on court plus vite. Sur le côté. Ouais, ici, il faut de l'eau, mais je comprends pas le principe, en fait. Essayer de mettre vite fait, bien fait, là... la valve, et j'espère que ça va faire quelque chose, juste la valve déjà numéro 1. Oui. Apparemment j'ai fait quelque chose. Je ne sais pas, je vais prier pour qu'il y ait de l'eau qui soit parue ici. Eh ben non. Eh ben j'en ai aucune idée d'où je dois aller maintenant. Je sais pas où est la deuxième valve. Est-ce que ça aurait ouvert les portes bleues? Je comprends pas où elle est l'autre. Attendez, je vais aller voir si par hasard la porte là-bas est ouverte. Si possible sans tomber sur le monstre. Monsieur? Oh punaise, j'ai eu peur. Bon sang, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai... oh punaise! Il vient par là. Je ne comprends pas où je dois aller. Vous ne comprenez pas où vous devez aller. J'ai été partout, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de clé. Punaise, j'ai visité les conduits, j'ai visité toutes les salles, là. Putain, le jeu se met pas sur pause! Oh mon dieu, il n'y a pas de vraie pause dans ce jeu, quoi. De toute façon, le monstre vient pas là, donc on s'en fout. Bon, les gens, on va arrêter cet épisode-là. Mou. Je vais voir qu'est-ce que je dois faire dans ce niveau pour la prochaine fois. Parce que là, j'ai fait le tour, quoi. J'ai vu aucune valve, aucune clé pour ouvrir les portes. Je sais pas c'est où. Voilà, donc rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et ben, à plus.